Comme il faut toujours trouver une phrase de justification, je vais dire on était deux dans l'affaire. Amen. On voit c'est qui. Une bonne affaire. Dans une bonne affaire. C'est, ça se présente toujours comme ça. C'est toujours une bonne affaire. On avait pour projet d'acheter un bateau. Dit comme ça. Là, c'est le projet de départ. Bon, le projet a été minimisé vu nos finances. Et c'est, ça a tombé à une barque. Bon, on a acheté une barque. À 500 dollars la barque. Mais la barque, la seule eau qu'elle a vue, c'est la pluie qui était dans mon jardin. C'est déjà la barque qu'elle est venue rouer. Donc il fallait réparer la barque. Donc c'était ça vraiment le. Aïe aïe aïe. Après, il fallait payer pour se débarrasser de la barque. Tu as payé pour acheter. Après, tu payes pour t'en débarrasser. Seulement le début, je n'ai jamais vu. Aïe aïe aïe. Et tu sais, il y a, nous pouvons regarder en arrière et voir des choses. Tu sais, des fois, tu sais, les ventes de garage, voilà. C'est les pires des choses. Écoutez. Si lui n'en a pas besoin, tu ne vas pas en avoir besoin non plus. Parce que nous sommes fondamentalement les mêmes. Si tu l'as acheté d'une vente de garage et tu vas le mettre dans ta vente de garage par la suite. Laisse. Qui a un autre achat comme ça? Juste rapidement, un autre. You want? Yes. Dans ma cour, bon, c'était pas un achat si bête, mais je trouve que c'était un choix bête parce qu'il aurait pu acheter quelque chose d'autre à la place de ça. Et la chose que j'ai achetée, c'est une paire de baskets de 260 $. Mais je m'en suis bien servi, la paire était bien gâtée, genre ça a duré, mais j'aurais pu acheter une paire de souliers qui était moins chère et qui allait faire le même temps. Ça c'est un problème que les parents ont aujourd'hui. Tu sais, les enfants veulent porter le Air Force. Hein? C'est ça, le Air Force One ou c'est Air Force? Air Force One. Est-ce qu'il y a Air Force Two aussi? Non. Je n'ai jamais même su c'est quoi. C'est, il n'y a rien de. La seule chose, c'est parce que les autres en ont. Parce qu'au fond, si tu regardes, il y a d'autres baskets qui sont plus beaux que ça, techniquement. Mais parce que tout le monde en a, ben nous aussi, on en veut. Et ça coûte combien le Air Force? Le Air Force One. 200, à peu près. Seigneur Jésus. Tu sais, as-tu déjà regardé un magazine, un catalogue, et puis tu te dis, ben, où est-ce que je peux m'acheter ça? Si vous vous demandez où est-ce que je peux m'acheter ça, c'est que vous n'avez pas compris. C'est, le fait est ceci, il est plus facile de trouver des moyens de dépenser son argent que de l'épargner. Amen. Si vous achetez des choses simplement parce que vous avez de l'argent, c'est un signal d'alarme. Méfiez-vous. Parce que j'ai l'argent, j'achète. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'achète parce que je peux me le permettre. C'est pas la bonne philosophie. C'est pas la bonne approche. Hein? Nous dépensons l'argent que nous n'avons pas pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin.
pour impressionner des gens que nous n'aimons même pas. Allô? Tu sais, cette personne-là avec qui tu es en conflit, à qui tu ne parles même pas, mais tu veux qu'elle voie que tu as cette chaussure-là de 200 $. Comme ça, elle va sentir. Mais les 200 $, tu ne les as même pas. Tu as acheté ça et tu dois ça à Mastercard. Tu t'endettes pour impressionner quelqu'un à qui tu ne veux même pas parler.